Lounès Matou, ici à gauche, a été enlevé durant 2 semaines par le GIA il y a 2 ans, parce qu'il défend depuis longtemps les libertés et la langue berbère, langue de sa région natale, la Kabylie, où il réside toujours. Lounès Matoub chante et milite, mais aussi dans des meetings où il défend à la fois la culture de sa région, la Kabylie, et de son pays, l'Algérie. On est là pour sauver l'Algérie, on essaie de faire dans notre mieux. À chaque concert de Lounès Matoub, le symbole berbère est présent sur scène. Il s'agit de la lettre Z de l'alphabet berbère qui signifie bras. Je ne suis pas arabe et je ne suis pas musulman. Et j'ai le droit de mener une existence saine, propre. Pour moi, l'essentiel, c'est que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et Lounès Matoub chante Kenza, dédié à la fille de Tahar Djaout, le premier écrivain et journaliste assassiné il y a 3 ans par les intégristes algériens. L'école de la République algérienne, malheureusement, a contribué avec l'avancée arabo-islamique. Ils nous ont envoyé des Égyptiens, des frères musulmans, enseigner à nos enfants. On leur apprend la mort avant de leur enseigner la vie. En quelque sorte, tous nos enfants, c'est des potentiels terroristes. Outre les chansons de son nouveau disque, Lounès Matoub chante L'Espoir, une chanson culte dans laquelle il écrit le feu qui brûle. Périront alors les instigateurs de notre malheur, sauvegardant l'espoir. Et après le soutien de son ami Ismaïl, Lounès chante paradoxalement la chanson d'Enrico Macias, créée il y a plus de 30 ans. Soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des vies sans voile que j'ai connues.